passe au tour suivant. On a dit qu'on enchaînait. T'as vu ce que j'ai fait? J'ai juste rajouté les rois. Mmh. Hein, j'ai posé les rois, même ils doivent être dessous, dessous, dessus, un petit peu comme à droite, à gauche. Le jeu, est-ce que tu l'as mélangé tout à l'heure en, à l'américaine? Oui. Il n'était pas parfait. Non. Donc, t'as pas pu m'arranger les cartes comme j'en avais envie. Si je l'ai fait, c'est un miracle. Donc, il est bien mélangé. Et alors, ce qui va se passer, c'est que je vais te faire un tour, une partie du tour, et je vais appeler, tu vas appeler David, notre fameux David, là, qui me fait des tours en ce moment, on se fait des petits tours, donc tu vois de qui je veux donc, parler. Donc, je vois de qui tu parles. Tu vas l'appeler, et tu vas lui demander de continuer le tour que j'ai commencé. De cette manière, si je ne parle pas, je ne peux pas lui envoyer d'informations. Non. Donc, je ne voudrais rien dire, juste que tu lui demanderas de parler plus fort, pour que les gens qui sont là-bas ils puissent entendre ton téléphone. Ah bah si tu m'envoies un texto en même temps. Non, regarde, mes mains sont là. Vu que le tour il n'a pas commencé, je ne peux rien faire encore. Je ne peux pas te dire, tiens, dis-lui de parler plus fort parce que c'est un code. Ah oui, non, mais tout à fait. Le tour il n'a pas commencé. J'ai bien compris. Tu lui dis ce que tu veux. Si tu ne parles pas pendant que je fais le tour, ça va être sympathique. Donc, si tu veux, tu peux refaire un petit mélange. Prends dessus, tu mélanges. Tu prends dessous, tu mélanges parce qu'il y a les rois dessous. Fais comme tu veux. Comme ça, vu que j'ai regardé les premières et les dernières, je peux pas... Non, ça va? Non, mais de toute façon, on s'en fout si... Dessous, il y a les rois. Ouais, ça sert à rien. Allez. Étant donné que c'est toi qui l'as mélangé, David ne peut pas avoir aucun repère. Ah, entièrement d'accord. Alors, tu vas prendre... soit tu mets le jeu vers toi et tu coupes à une certaine partie du jeu que tu as envie... Et après, on comptera ces cartes. Soit tu le coupes comme ça, tu fais comme non, tu veux. Non, je vais regarder, au moins comme ça, je suis sûr de prendre la partie que j'ai mélangée. Allez, tu coupes où tu veux. Eh ben, je vais mélanger à peu près ça. Je vais prendre allez, ça un peu moins que ce que j'ai mélangé. Voilà, là, il y a une petite partie, une grosse partie. On prend la petite, ça te dérange pas. Allez. Allez, tu vas compter ces cartes. Mmh. Et si tu en as 12, tu compteras la 12e. Si okay. Tu en as 15, tu compteras. Si tu en as 20, tu compteras. Ok. Voilà, et on regarde. Et ça sera là, donc, cette carte-là, par exemple, celle-là, qu'on regardera. Ok. D'accord. Donc, je ne sais pas combien tu as coupé. 1, 2, 3, 4. Mets tes mains. Pardon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Attends, je ne suis pas sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, je ne pouvais pas savoir, t'aurais pu couper 14. Ah, tout à fait. T'aurais changé la carte. Ah, je suis entièrement d'accord. Donc, c'est même mélangé ou pas. Ah, mais même un jeu dans l'ordre, de toute manière, ça... Ça ne changerait rien. De toute façon... Donc, tu regardes, là, combien il y en a? 16. Tu regardes la 16e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ah, un petit as de trèfle, on le montre, vas-y. Allez, l'as de trèfle. As de trèfle. T'as vu, il y a mes rois, mes dames de tout à l'heure. Donc, on range, pas d'embrouille, on l'a remis à sa place, j'ai pas... S'il la retrouve, c'est fort. Et maintenant, si je ne touche rien, tu appelles David, et c'est parti pour un petit miracle. Alors, je sais pas si ça va être un petit impensable, on peut faire un impensable. Donc, j'appelle David. Oui. Alors, pendant que tu l'appelles, je peux leur dire, donc vous pouvez le faire par téléphone pendant votre confinement. Il suffit de le faire à vos amis proches et d'appeler un confrère pour qu'il vous aide. L'appel. Oui, et ça peut être sympa. Allez, je mets le haut-parleur et je mets à fond. Et le jour où on ressort du confinement, vous pouvez le faire pendant qu'il y a beaucoup de gens et appeler toujours un confrère et c'est super sympa comme tour. On verra comment il va s'en sortir. Allô, allô. Allô, David, ça va? Oui, bah oui, toi. Tu vas bien? Bien. Bon, tu t'es mis en complicité avec Thierry pour me faire un truc qui va déchirer, apparemment. Je l'espère que ça va déchirer, ouais. Ah, il m'a dit, je te fais le premier tour. Bon, c'est vrai que c'est vraiment très bien. Il m'a dit, après la suite, c'est David qui te le fait. Donc, bah écoute, allez, vas-y, j'ai hâte de savoir ce que tu vas me demander et comment tu vas trouver ma carte. Alors, est-ce qu'il y a un jeu sur la table? Alors oui, il y a un jeu qui est sur la table. Allez, vas-y, tu le prends, tu le gardes face en bas, donc les tarots vers toi. Alors, face en bas, les tarots vers moi, ok, y a pas de souci. Voilà, et tu vas retourner les cartes une par une en me les nommant. D'accord. Ok. C'est parti. 10 de cœur. Oui. 6 de pique. Oui. 6 de carreau. Oui. 2 de cœur. Oui.
3 de carreau. Oui. 6 de cœur. Oui. As de carreau. Oui. 6 de trèfle. Oui. 10 de trèfle. Oui. 8 de pique. Oui. 7 de carreau. Oui. 4 de cœur. Oui. 4 de carreau. Oui. 3 de cœur. Oui. 4 de trèfle. 5 de carreau. Oui. 8 de trèfle. Oui. 9 de pique. Oui. 9 de carreau. Oui. Attends, alors attends un peu. C'est la prochaine, est-ce que tu veux bien la mettre, la laisser comme elle est et la poser face en bas, s'il te plaît? La prochaine, hein? Oui, la prochaine, ouais. Ok, je la mets face en bas. Voilà, continue. 8 de carreau. Oui. Je continue? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. 2 de trèfle. Je t'ai fait mettre une carte à l'envers, il me semble. Ouais, tu m'en fais une, ouais, que j'ai pas vu ce que c'est. Non, pour la première fois, moi tu vas me le dire au téléphone, je vais t'entendre, tu vas dire à Thierry quelle était la carte que tu avais vue. Alors la carte que j'ai vue dans ma position, c'était l'as de trèfle. L'as de trèfle, alors... Bien aimé. Bravo, c'était bien l'as de trèfle. Mais comment t'as fait? Explique-moi. Bravo, bien vu. T'es un bon télépathe. Je sais pas ce que vous avez fait ensemble, quel code vous avez mis, mais c'est pas mal. Ah, y a aucun code, y a rien du tout. Ah ben, aucun code. T'es bien obligé de qui te dise quelque chose ou que tu comptes quelque chose. Y a toujours une subtilité, mais tant si voilà, c'est comme ça, Eh ben je... C'est tout. Eh ben je vais chercher, mais c'est joli, franchement c'est bien. Eh ben tant mieux, si t'aimes tant mieux. Donc c'est pas mal, joli. Voilà. Je vais chercher avant qu'ils me disent. Merci David. Ciao ciao. Allez, je vous en prie. Allez, bise. Ciao, bravo. Alors? Pas mal. Ce qui est fou, c'est que je parle pas, je peux pas lui envoyer de code. Le jeu, tu l'as mélangé. Oui, c'est pour ça que je voulais pas que tu bouges, parce que ouais, je me suis dit, comme j'ai le haut-parleur, à ce moment-là, tu bouges, compte. Alors, je te le dis, c'est pas des bêtises. Et oui, c'est pour ça que... J'aurais pu te laisser avec lui dès le début. Et partir. Je pars et tu l'appelles. J'aurais pu faire ça, donc j'ai pas envoyé de bruit, de message. Ok. C'est ça qui est génial. Allez, ben, je vais chercher alors. Et c'est sympa. C'est sûr que un tour normal, t'aurais pu trouver... Mais dans ces conditions-là, et ça met, comme d'habitude, un petit truc en plus qui fait que merde. Parce que souvent, on connaît ces tours-là, mais le fait de l'avoir fait par téléphone, et tu te dis, mince, il y a un problème. Donc elle peut être jamais dans la même position, ça c'est une certitude. Et oui, parce que si t'en prends 10, elle n'est pas la même position. Ouais, tout à fait. Elle se retrouve en 10e par rapport à là. Donc, là, elle est en 16e, t'aurais pu dire 17, 20. Donc je vais réfléchir. Allez, je vais réfléchir un petit quart d'heure. Si on t'avait pas fait cette manigance et ces façons-là, t'aurais trouvé direct, j'en suis sûr. Mais comme ça, il te manque des paramètres, c'est tout. Te manque un paramètre. Et si je t'avais dit, prends le jeu, tu mélanges comme ci, après tu fais un petit comme ça, après tu fais ça, tu recoupes, t'aurais peut-être trouvé. Mais là, dans ces manières-là, non. C'est ou soit un coup de chance, parce que c'est vrai que j'ai vraiment mélangé mon jeu. C'est vrai que tu l'as retouché, mais très peu. Vraiment pas beaucoup. Ouais, j'ai regardé s'il y avait les jokers, après j'ai mis les... Tu as vu, il y avait les rois dessous, les dames dessous. Donc d'un jeu mélangé... Ah, il y a forcément quelque chose qui n'est pas mélangé. Hein. Ah, c'est pas mal, je vais réfléchir. En tout cas, c'est joli. Ouais. C'est sûr que c'est vraiment très très beau. Bel effet. Pas mal. Explication.